impeccable. Alors ici, je voudrais vous illustrer, vous l'avez vu, j'ai un putt à peu près de 2 mètres sur une forte pente, mais qu'à mon sens, malgré toutes les pentes qu'on peut trouver sur les greens, eh bien au final, tout putt est un putt droit. Moi, contrairement au grand jeu où je fais voler une balle et je peux la faire tourner dans un sens ou dans l'autre, ici au putting, je dois toujours me concentrer, évidemment bien faire un bon mouvement mécanique pour envoyer la balle sur la ligne désirée et à la bonne vitesse. Au final, on peut simplifier ce qu'est le challenge du putting. Donc, j'ai placé ma ligne, j'ai fait ma lecture, évidemment, j'ai déterminé que ce qui concerne la visée à droite ou à gauche du trou ici, c'était un trou et demi à droite. Mon putt, il est là, il est sous la corde. Cette corde enrichit hein, ma visée, ma vision du point de départ, qui est un putt droit au départ, bien sûr. Et ce que j'aime bien rajouter en plus, c'est de me donner le petit challenge de deviner, en plaçant un tee, que ma balle va contourner l'endroit où cette balle va quitter la corde pour effectivement épouser la pente. Alors j'ai déterminé à peu près ici pour ce qui concerne ce putt. Et donc voilà, je vais pouvoir maintenant m'aligner consciencieusement, comme toujours, viser un trou et demi à droite, visualiser la courbe qui contourne ce tee, les points intermédiaires, trouver la bonne vitesse et c'est impeccable. Alors, si vous n'avez pas cette corde, parce que pas, tout le monde n'a pas ces outils intéressants avec lesquels travailler son putting, vous avez, si vous n'avez pas non plus des baguettes, vous avez forcément deux clubs. Il suffit de mettre deux clubs autour de votre tête de putter, côté pointe et côté talon, parallèle évidemment, qui vous indique l'appareillement, le sens initial de la balle. Ici, grosso modo, un trou à droite. Et pareillement, ça me permet d'avoir un feedback visuel supplémentaire pour bien visualiser cette courbe qui commence d'abord tout droit sur les 50 premiers centimètres. Voilà, et donc si vous pouvez putter un putt tout droit, et vous pouvez putter partout.